retour au débat de France 24. Face aux doutes persistants, on avait fini par le pressentir. Il n'y aura pas d'élection présidentielle, ni cette année, ni la suivante, en République démocratique du Congo. Le pays aura donc encore, début 2019, à sa tête Joseph Kabila. C'est du moins ce qui a glissé subrepticement la CENI, la Commission nationale électorale indépendante, dans sa dépêche datée d'avant-hier, tirant ainsi un trait sur l'accord dit de la Saint-Sylvestre, conclu, comme son nom l'indique, le 31 décembre de l'année dernière, entre le camp du président en exercice et une large frange de l'opposition. Accord qui a permis le maintien au pouvoir du président Kabila au-delà du terme de son deuxième et dernier mandat prévu par la Constitution, moyennant l'achèvement du recensement censé permettre précisément la tenue des élections d'ici la fin de cette année. On n'y sera pas. Est-ce la fin de l'état de droit en RDC? Pour en débattre face à face, j'accueille Francis Kalombo. Bonjour. Bonjour. Vous êtes député, frondeur du PPRD. C'est le parti du président Joseph Kabila. Et vous êtes vous proche de l'opposant, donc Moïse Katumbi. Merci d'être avec nous. Face à vous, en duplex depuis Bruxelles, maître Guillaume Mangiolo. Vous êtes conseiller au ministère des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Merci à vous d'avoir accepté ce débat. Mot à mot dans le texte, hein. La CENI dit avoir besoin de 504 jours après la fin de l'enrôlement, donc du recensement, pour arriver au jour du scrutin. Or, le recensement étant encore en cours, hein, depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions du Kassai, le centre, victime de violences, on peut en déduire, Guillaume Mangiolo, qu'il n'y aura pas d'élection avant le premier trimestre 2019. Pourquoi 504 jours d'après vous ? Premier élément, une petite correction, je ne suis plus conseiller aux affaires étrangères, je l'ai été pendant une dizaine d'années, je ne le suis plus. Et je suis au fait communicateur de la majorité présidentielle, donc j'anime un parti qui s'appelle l'ULDC, Parti cher à Ramon Tshibanda, ancien ministre des Affaires étrangères. Pour revenir à votre question, il me semble que nous sommes lorsque M. Zizek a appelé le dingue verbote. C'est-à-dire que tout le monde sait ce qu'il faut faire, ce qui se passe exactement au niveau du pays, mais personne ne va entériner la situation au sens réel du terme. Lorsque toutes les instances seront réunies plutôt au niveau de la Cité de l'Union africaine, cette opposition à laquelle appartient aujourd'hui M. Kalombo n'était pas présente, mais seulement tous ceux qui étaient là avaient convenu devant l'OIF, une instance à laquelle on ne peut pas rapprocher quoi que ce soit, notamment d'être partisane de qui que ce soit. Et la SADC, la CENI avait dit qu'effectivement on ne pouvait pas, dans l'état actuel, dans l'état des choses à l'époque, espérer faire les élections dans le courant de l'année 2007. Mais simplement, au moins on pouvait envisager ça, une possibilité, en avril 2018. Ça, c'était à la, donc, ça, c'est à la réunion de la, comment dirais-je, de la Cité de l'Union africaine. Oui, maintenant, on est à 504 finalement, jours. Toujours dans cette dingue verbote, c'est-à-dire que les gens, oui, oui, bien entendu, je vais y venir, tout simplement, si vous permettez très rapidement, parce qu'il est quand même utile de donner la lecture exacte de la situation. Finalement, il se rencontre de nouveau à la plutôt au niveau de la CENCO, il décide qu'effectivement, on pouvait envisager ça en 2017, décembre. Mais simplement, lorsque la logistique permet une option, c'est-à-dire que après avoir dit au chapitre 4 qu'effectivement, décembre 2017, c'était une possibilité, tout de suite après, on ouvre une brèche disant que si les conditions ne sont pas réunies en ce moment-là, la tripartite, en l'occurrence ici, la CENI, le CENSA et le gouvernement, devaient apprécier si les conditions sont réunies pour pouvoir aller aux élections ou pas, ou si elles ne sont pas réunies. Mais je rappelle quand même quelque chose de tout à fait utile, c'est que vous venez de le dire maintenant par rapport à l'espace Kassai, qui n'a toujours pas connu les recensements, comme vous appelez ça, on appelle ça enrôlement dans les processus électoraux. Et à ce jour, ce n'est pas encore finalisé. Je vous informe que par ailleurs que toutes les structures de l'État ont été complètement démolies, ce qui fait qu'il n'y a presque plus rien du tout. Pardonnez-moi de reposer ma question. Pourquoi 500, on comprend la nécessité de procéder à l'enrôlement. Pourquoi 504 jours après la fin de l'enrôlement? C'est simplement ce que j'aimerais comprendre. Mais non, c'est pas après la fin de l'enrôlement. Pour l'instant, oui, mais pour l'instant, non, c'est pas après la fin de l'enrôlement. C'est-à-dire que l'un dans l'autre, à partir d'aujourd'hui, c'est une indication. C'est même pas encore précis. C'est-à-dire qu'il appartiendra à la tripartite CENSA, gouvernement et CENI ensemble d'apprécier effectivement la proposition technique. La technicité revient à la CENI après tout. Si la CENI estime que bon, c'est ça le délai, à partir de maintenant, c'est pas après l'enrôlement. L'enrôlement au niveau de l'espace Kassai n'est pas encore terminé, n'a pas encore débuté au sens réel du terme. On peut pas aujourd'hui parler 500 jours après l'enrôlement, on parle à partir d'aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est une indication qui n'est pas encore précise dans la mesure où. C'est à partir d'aujourd'hui. Et encore, faut-il que bon, toutes les instances réunies
En regard de cet accord-là, qui a été entériné le 31 décembre 2016 à la CENCO, donc cet accord permet cette opportunité, cette possibilité-là d'évaluer si c'est possible. En tout état de cause, ça nous amène Guillaume Mangiolo. On a bien compris, il va falloir que je fasse réagir quand même Francis Calombo, mais vous nous confirmez donc que ces 504 jours nous amènent en tout état de cause au premier trimestre 2019. Dans l'hypothèse actuelle, dans l'état actuel de la situation telle que cette indication, ce n'est qu'une indication pour l'instant, ce n'est pas une précision. La CENI n'a pas proclamé quoi que ce soit. La CENI a eu une sorte de discussion avec les partis politiques, avec la société civile, a indiqué qu'effectivement, techniquement sur le terrain, un certain nombre d'aléas jalonnent la situation, beaucoup d'aspérités, des reliefs, et par conséquent, il va falloir tenir compte de ces éléments-là de sorte à ce qu'on puisse faire des très bonnes élections. Alors, partant de là, il a dit... Une possibilité, l'horizon 504 jours est tout à fait possible, mais encore faut-il que les instances habilitées en regard de l'accord puissent statuer là-dessus. Ce n'est pas encore le cas, on ne peut pas aller vite en besogne. Il y a des gens qui veulent absolument en découdre le plus rapidement possible. Ce n'est pas indiqué et ce n'est pas conseillé. Ça reste de l'ordre de l'hypothèse, nous dit donc Guillaume Mangiolo, avec tous les conditionnels d'usage. Comment vous avez lu et perçu ce qui a été dit il y a deux jours dans ce texte de la CENI? Est-ce que d'après vous, le président Kabila, si effectivement ces conditions pour tenir le scrutin aujourd'hui ne sont pas réunies, comme le dit la CENI, mais impose de le faire dans 504 jours, peut rester au pouvoir jusqu'au premier trimestre 2019, Joseph Calombo? Ben non, le problème c'est que, merci d'abord pour l'invitation, je retiens cette phrase de Guillaume, c'est que tout le monde sait ce qu'il faut faire, mais jamais ils le font. Mais je tiens à lui rappeler que le peuple congolais sait ce qu'il doit faire. C'est l'application de l'article 64, puisque Joseph Kabila n'organisera jamais les élections en République démocratique du Congo. C'est la conviction que vous avez maintenant ? Vous dites ? C'est la conviction que vous avez maintenant ? Je l'ai toujours dit, même sur votre plateau, la dernière fois que je suis passé. Je l'ai soutenu et je continue à le dire. Il ne le fera pas. Il n'a pas intérêt. Ça ne lui concerne pas. Ce qu'il veut faire, s'éterniser au pouvoir pour piller la République démocratique du Congo. Et dans quelques mois, le 25 octobre, il y aura cette signature qu'il va faire avec le Qatar pour vendre pendant 50 ans le port des bananes. C'est ce qu'il veut rester faire. Tout piller, tout torpiller. Et voilà. Aujourd'hui, je tiens à vous dire que la CENI a lamentablement échoué. Ils doivent démissionner. Et d'ailleurs, l'accord de Saint-Sylvestre réclamait le réforme de cette CENI. Le président de la République a échoué aussi. Et c'est que nous devons nous dire qu'il se donne 500 jours, 1000 jours ou 10 ans ou 20 ans. Mais le 31 décembre, le peuple congolais va les chasser. L'occasion leur avait été donnée pour qu'ils puissent partir calmement, avec toute dignité. Mais je crois qu'ils ont raté cette occasion. Au 31 décembre, ils partiront, qu'ils veulent ou pas, puisque le Congolais n'a jamais reçu des cadeaux de personne. L'indépendance au Congolais d'accélérer le mouvement. Bien sûr, l'indépendance, nous l'avons obtenue, fruit d'un combat que nos ancêtres ont mené sans armes. Et je tiens à vous dire que la dictature de Mobutu, la même chose, il a été chassé. Et la rébellion de 98 a été bloquée à Kinshasa par des Congolais sans armes. Et le 31 décembre, on va les chasser. On n'a même pas besoin des armes qui viennent avec le char de combat ou quoi que ce soit. Ils partiront de force ou de gré. C'est ce qu'il nous reste à faire. Il n'y a plus à tergiverser. Là, ils ont montré la mauvaise foi, qui ne vont jamais faire des élections. Et ce qui fait mal, c'est quoi? On peut chercher à rester au pouvoir, mais si on travaille pour l'intérêt du pays, c'est autrement. Ici, on a volé même le peu d'argent que nos grands-mères gardaient sous le matelas pour préparer leurs obsèques. C'est-à-dire que on fait coiffer, on fait pomper les Congolais, même les bulletins scolaires sont vendus par une seule personne. Donc, est-ce que vous pensez que c'est comme ça qu'on doit les laisser gérer le Congo? On n'arrive même pas à ramasser les poubelles. Les villes, les routes n'existent plus, le poubelle on ne ramasse plus, et avec ça vous voulez rester pour faire quoi? Guillaume Mangiolo, compte tenu des nouveaux délais dont fait état la CENI, même si vous nous dites qu'il reste bien sûr à déterminer quels seront ces délais exacts, est-ce qu'on peut dire d'ores et déjà que l'accord, ces accords de la Saint-Sylvestre sont caducs? Non, les accords ne sont pas caducs, l'accord de la Saint-Sylvestre n'est pas caduc du tout. Tout simplement, on a une question en fait... une situation particulière où les gens partent du principe que, par l'effet d'une certaine prophétie, ils doivent occuper certains postes plutôt s'ils ne les occupent pas, et par conséquent, rien ne marche en RDC. Ce que Francis Calombo dit est totalement risible parce qu'il a fait partie du système et dans des conditions que lui-même sait, et les gens qui sont autour de lui sont à la base d'énormément des forfaitures et de la gestion la plus
hasardeuse, notamment dans le Katanga. Il ne peut pas aujourd'hui venir prétendre ici ce qu'il est en train de dire, c'est malheureux. Moïse Katumbi et Félix Tshisekedi, le fils de feu Étienne Tshisekedi, disent la même chose. Hein. Ils l'ont dit déjà 18 septembre, avant cette annonce, enfin, qui n'en est pas vraiment une, nous dites-vous, de la CNI. Ils nous disent il y a non-respect de la Constitution et de l'accord du 31 décembre 2016. Non, il me semble que ce n'est pas ça du tout, parce qu'il faut rappeler les choses calmement, de manière posée. En ce qui concerne l'accord et la Constitution, il appartient, en ce qui concerne la Constitution particulièrement, il appartient à la Cour constitutionnelle de pouvoir interpréter si les règles sont respectées ou pas. Et en l'espèce, la Cour constitutionnelle a interprété de manière tout à fait juste. Et d'ailleurs, il y a eu une grande conférence au niveau de Paris avec un certain nombre de juristes assez outillés qui ont dit qu'effectivement, l'article 70 prévoit qu'en son alinéa 2, que les chefs d'État restent en place jusqu'à ce qu'une élection soit faite. De la même façon, pour les Sénats que personne aujourd'hui n'évoque, et M. Kengo est là depuis quasiment 10 ans, après avoir fait un mandat supplémentaire de 5 ans, alors que bon, c'est sur base, sur pied de la Constitution. Donc personne ne peut... Mais ce n'est pas le cas au niveau de la présidentielle. Ce qui fait que ce qui est dit par... À la limite, je peux encore écouter M. Félix Tshilombo, qui, n'ayant pas été au niveau des responsabilités pendant très longtemps, il peut encore prétendre certaines choses. Mais ceux qui sont nos amis d'hier, il y a encore à peine, même pas un an, étaient avec nous, ont participé à la gestion de ce pays pendant très longtemps et dans des conditions tout à fait assez sombres, et ils le savent. Et par conséquent, ils n'ont pas de prétention aujourd'hui, sur des plateaux de télévision, à pouvoir démontrer leur bonne foi, leur capacité de bonne gestion, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais ce qu'il faut remarquer ici, c'est que on ne peut pas aller à la déflagration, à la fracture de la République. Nous sommes un pays particulier, qu'on ne puisse pas comprendre, croire que la RDC, c'est n'importe quel pays. Nous sommes un pays particulier. Grâce à Joseph Kabila, par exemple, entre 1998 et 2001, on a réuni un pays qui était morcelé en trois branches. Qu'on se souvienne. Ce qui se passe aujourd'hui au niveau de la Libye doit nous rappeler à la raison en permanence. C'est vrai qu'il faut des élections absolument. Donc vous nous dites en gros, mais dans quelles conditions? Oui, vous nous dites en gros que le pays est menacé de morcellement et de balkanisation si on ne laisse pas effectivement l'élection aller à son terme normal. En gros, le président restait jusqu'au premier trimestre 2019 si la CNI le juge nécessaire. Je vais demander quand même à Francis Kalombo de réagir à ce que vous venez de dire. Un mot également peut-être, Francis Kalombo. Au terme de cet accord de la Saint-Sylvestre, l'opposition participe aujourd'hui au pouvoir. Un Premier ministre issu de ses rangs, Bruno Tshibala, occupe aujourd'hui les fonctions de Premier ministre. Doit-il démissionner ? Non, le problème, c'est que ce n'est pas un opposant qui participe. Donc l'accord n'a jamais été appliqué. Vous ne le considérez pas comme opposant ? Non, l'accord n'a jamais été appliqué. Samy Bandimanga lui-même avait occupé le poste précédemment. L'accord n'a jamais été appliqué, mais je réplique... Avec la bénédiction d'Étienne Tshisekedi. Je réplique rapidement, c'est que je ne peux pas lui laisser. Moïse Katumbi a géré les Katanga, tout le monde l'a dit, bravo. La preuve, aujourd'hui, ils sont incapables de faire même le 1/10 de ce que Moïse Katumbi faisait. Donc, ils doivent se taire lorsqu'ils veulent parler du Katanga. Mais eux qui gèrent toute la République démocratique du Congo, quel est le bilan de la gestion de la République démocratique du Congo? Allez même dans le Bandundu, allez à l'Équateur, vous verrez la misère du peuple congolais, même à Kinshasa. On a construit une école... On a construit une école à 5 millions dans ma circonscription électorale à Bumbu. Oui. Allez voir les bâtiments, 5 salles de classe, 5 millions de dollars. C'est du vol. Pillent le pays. Quelle doit être, d'après vous, la réaction aujourd'hui de ceux qui, membres de l'opposition, ont accepté de collaborer de près ou loin à cet accord de la Saint-Sylvestre, Vital Kamerhe, Bruno Tshibala? Que doivent-ils faire? Je pense que Vital est lié à Kabila. Ça, c'est, il faut même pas compter avec lui. Mais sauf que les autres, nous leur donnons jusqu'au 20 décembre de pouvoir s'amender de rejoindre les camps du peuple. Il existe un camp du peuple. Faute de quoi? Faute de quoi? Écoutez, ils seront balayés le 31 décembre avec les autres. Vous avez des manifestations à partir du 20? Non, ils ont jusqu'au 20 pour s'amender, rejoindre les camps du peuple. À ce moment-là, le 31 décembre, écoutez, ils pourront participer avec les autres. Dans le cas contraire, tous ceux qui resteront jusqu'au 31 décembre, ils seront balayés. Donc, il n'y aura pas d'autre choix. Le peuple congolais doit savoir une chose. Personne ne leur fera du cadeau. Personne ne viendra le faire à leur place. Ils doivent s'autodéterminer. Vous ne craignez pas des morts et des affrontements comme il y en a eu dans le passé? Vous savez combien on tue aujourd'hui au Congo? Tous les jours on tue. Tous les jours, dans des hôpitaux parce qu'il manque des médicaments. Dans des écoles, des autres sont des chômeurs parce qu'ils ont faim.
Allez dans des pays voisins, vous verrez combien des réfugiés sont des Congolais. C'est inadmissible la situation des Congolais. Oui. La situation des Congolais aujourd'hui. Dans les écoles, ça pue. Les Congolais aujourd'hui souffrent de telle manière que même à l'époque de Mobutu, c'était mieux. Donc les gens commencent même à préférer que Mobutu revienne. Vous pensez que ça, ce n'est pas la mort? On tue tous les jours. Et nous pensons qu'il est grand temps qu'au 31 décembre. Mais vous savez, ça, les tueries, les Congolais n'auront plus peur de ça, puisqu'ils ont vécu. L'indépendance, oui, nous l'avons gagnée. Entre 4 et 6 millions de morts. Alors, oui, l'indépendance, nous l'avons gagnée. La dictature de Mobutu, la population a gagné, et aussi la rébellion de 98, la population a fait échec. Maintenant encore la dictature de Kabila, la population finira toujours par gagner, on ne peut plus régner par défi. Au jour d'aujourd'hui, il partira, parce que c'est ce qu'il fait aujourd'hui, il ne fait que piller le pays, le passeport, le permis de conduire, le bulletin scolaire, tous les jours, on fait piller. Les banques, n'en parlons même pas. Vous l'avez dit. Alors maintenant, l'État est saigné à blanc par un groupe d'individus, même pas 1000, il n'a même pas 1000 personnes. Alors, est-ce qu'ils vont faire peur à 80 millions de Congolais? Il est grand temps qu'on se mette debout, qu'on comprenne une chose, la liberté, on la gagne. Ça ne se donne jamais. Le peuple, au 31 décembre, doit se libérer parce que l'article 64 leur donne cette autorisation. L'ONU s'inquiète en tout cas de la situation, puisque déjà cette semaine, le Conseil de sécurité des Nations Unies s'est réuni à propos de la situation en RDC, en présence du représentant de l'ONU, à Kinshasa, Maman Sidikou. Alors, on va voir peut-être ces propos. L'accord politique de décembre 2016 est la seule voie viable pour créer les conditions nécessaires à la tenue d'élections crédibles et apaisées en République démocratique du Congo. À l'heure actuelle, la publication d'un calendrier électoral réaliste, l'établissement d'un budget pour la tenue des élections, la mise en œuvre de mesures de décrispation et la garantie du respect des lois et libertés fondamentales sont les principales conditions à remplir pour faire avancer le processus politique. Il faut donc respecter l'accord, dit Maman Sidikou, mais qui pose également la question du sous-financement de l'organisation du scrutin. Il n'y a pas assez d'argent, Guillaume Manjolo, pour voter? Effectivement, parce que oui, il y a les efforts du gouvernement, ce sont des efforts individuels en fait, qui reviennent au gouvernement au jour d'aujourd'hui, parce que tous les partenaires qui avaient promis énormément des choses, des fois on ne crée pas, ça aussi il faut les relever, parce que c'est un peu trop facile. Mais laissez-moi revenir d'un pas sur ce qui a été dit par Francis Kalombo. Vous savez, vous passez de la posture à la forfaiture. Vous ne pouvez pas comparer quelqu'un comme Katumbi avec quelqu'un comme Badibanga ou quelqu'un comme Tshibala aujourd'hui. Tshibala a 30 ans. Vous voulez dire que en gros, l'opposant Katumbi à ceux qui participent aujourd'hui au pouvoir, attendez, à vos côtés. Attendez, on est à distance. Oui, c'est pour ça que je précise pour ceux qui nous regardent. Et qui ne sont pas familiers aux affaires internes de la République démocratique du Congo. Oui. Exactement. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on a affaire aux gens aujourd'hui qui ont la crédibilité exacte de l'opposition, qui sont là depuis une trentaine d'années. On a des nouveaux venus, richissimes et tout ça, qui sont enrichis sur le dos de la République et aujourd'hui qui prétendent pouvoir gérer ce pays en bon père des familles. C'est ceux qui sont venus en botte à caoutchouc, ce sont enrichis en bois. C'est qu'ils sont venus en botte à caoutchouc. Oui, ils se sont enrichis. On va laisser Guillaume Angelo. Permettez, monsieur, je puisse terminer. Je vous laisserai réagir après. Allez-y, Guillaume Angelo. Oui, voyez-vous, j'essaie de pouvoir fréquenter un peu l'intelligentsia française aujourd'hui. Je suis énormément ce qui est fait. Onfray nous dit aujourd'hui que le peuple, c'est l'entité de la population sur laquelle s'applique le pouvoir. Et ces gens-là ne sont pas le peuple. Ils n'ont jamais été le peuple. Et quand on a eu des richissimes qui sont sortis au niveau du Qatar, il y a un seul milliardaire et personne d'autre. C'est pas sérieux. Donc maintenant, vous faites allusion à Moïse Katumbi. Ce qu'il dit, Maman Sidikou, c'est tout à fait. Tout à fait. Mm-hmm. Ce qu'il dit Maman Sidikou, c'est tout à fait réaliste. D'ailleurs, si vous suivez ce qui s'est passé aux Nations Unies, il a été dit que maintenant on a besoin du délai raisonnable. Pourquoi? Parce que simplement, ce qu'on a eu comme difficulté en 2006, qu'au terme des élections, il y a eu la guerre en pleine Kinshasa, et en 2011, pareil, il y a eu beaucoup trop de morts. Mais maintenant, avec toute cette inflation plutôt des candidatures, les gens veulent absolument devenir chef de l'État et dans toutes les conditions et tout ça, on risque de tomber dans une anarchie, dans un état de nature quasiment définitif. Et regardez ce qui se passe au niveau de la République centrafricaine. On a cru qu'il fallait faire les élections, ça suffisait. Au jour d'aujourd'hui, nous sommes encore en train de voir les balais diplomatiques pour aller évaluer si il y a génocide ou pas. Et Kinshasa et la RDC, c'est un pays particulier. Donc ça n'a rien à voir. C'est-à-dire, où vous avez la lecture exacte de la situation, où vous êtes dans les folklores et la fantaisie, et alors on comprend très bien. Être un homme d'État, c'est pas ça. C'est pas venir faire un chapelet de toutes les situations sur le terrain. Vous dites Guillaume Angelo, Maman Sidikou a une vision réaliste de la situation. Voilà aussi ce que dit Maman Sidikou. Il affirme que les journalistes, les opposants politiques et les activistes de la société civile font toujours l'objet d'intimidation, de harcèlement et de violence. Est-ce que là aussi, vous êtes d'accord avec ces propos?
Vous savez, vous faites les tours de la CEAC, donc l'Afrique centrale. Mmh. Dites-moi un seul pays où les conditions de démocratie sont à la hauteur de la RDC. Un seul pays. Je peux pas Est-ce que nous parlons de la RDC ou des autres pays? Faites-moi. On t'avoue, juste... Vous êtes congolais ou vous êtes étranger? On va laisser Guillaume Manjo Laissez-moi finir, laissez-moi finir. Vous n'avez pas d'argument et vous êtes en train de pouvoir amasser tout et faire un marché. Faites les commerces, la misère de la population, c'est très bien, mais ce n'est pas ce qui est recommandé aujourd'hui. Ce qui est recommandé, c'est quelles sont les pistes de solutions pour que la RDC ne sombre pas dans le chaos. C'est ça qui est recommandé aujourd'hui. Et je constate simplement que le seul pays au niveau de l'Afrique centrale, de la CEAC, c'est la RDC qui a atteint un certain seuil de démocratie. Ce n'est pas parfait, sans vote. J'en conviens. Il y a encore une démarche à faire, il y a encore une démarche à pouvoir franchir. Mais simplement, ben oui, nous on a au moins... Ben oui, mais attendez... Ouais. Vous voyez l'anarchie avec laquelle vous vivez. Vous ne pouvez pas prétendre gérer le pays. C'est impossible. Parce que, y compris sur un média international, on n'est pas en mesure de pouvoir s'entendre. Donc, voyez-vous. Donc, sur ce plan-là précis, il faut rappeler ce qui a été dit par Mamadou Sidiku en rappelant ce que je viens de faire par rapport à l'état de la démocratie au niveau d'Afrique centrale. Mais en même temps aussi, il faut rappeler une chose, c'est que les Nations Unies ne sont pas d'avis que la date telle que indiquer cet horizon indépassable selon une certaine opposition radicale est devenue aujourd'hui salafiste et fondamentaliste. Oui. Donc, ce n'est pas ça. Parce que... Pardon ? Vous avez quand même signé. Enfin, le pouvoir congolais a quand même signé pour cette date. Pardon de vous le rappeler. Bien entendu, à cette date. Mais simplement, il faut... vous faites bien de les rappeler, mais simplement, rappelez-le avec tous les éléments qui concourent à ces rappels. C'est-à-dire que la disposition 4 dit « On tiendra les élections à telle date ». Toutefois, si les conditions sont réunies, on évaluera. C'est ce qu'il dit. On ne dit pas, on tiendra et on ferme. Donc, simplement, non, mais c'est pas ça. En fait, là, on ne peut même plus interagir, ça n'a aucun intérêt. Dites ce qu'ils ont envie de dire. Terminé, Guillaume. Pour faire du folklore. Et moi, j'essaie de pouvoir apporter, en fait, des éléments crédibles par rapport à ce qui se passe sur le terrain, par rapport aux réalités sur le terrain. Y a-t-il eu des morts dans l'espace Kassai ou pas? Vous avez ouvert votre annonce ou les débats par la situation du Kassai. Est-ce qu'on peut évaluer la situation du Kassai au jour d'aujourd'hui et savoir effectivement si nous sommes dans les conditions requises, dans le délai qui est porté par ces chers messieurs, de tenir ces élections à cette date-là? Mais c'est impossible, c'est impossible, et tout le monde le sait. D'où j'ai insisté sur les donc verbaux. Ce sont des gens qui savent, mais parce qu'ils n'ont pas la moindre crédibilité, ils n'ont rien apporté à la population parce qu'ils ont déjà été au pouvoir parmi eux, surtout les G7, auxquels il appartient, a fait la démonstration de sa faillite et de son incompétence. Et voilà, aujourd'hui, ils veulent surfer derrière Félix et Tshilombo pour, soi-disant, faire du blanchiment de leur situation, de sorte à pouvoir accéder encore aux responsabilités. Mais ça ne tiendra pas la route. C'est de la fantaisie du folklore et de la forfaiture. Merci. Ça ne marchera pas. Merci Guillaume Angelo. Francis Kalombo, vous critiquez en termes extrêmement virulents aujourd'hui le pouvoir de Joseph Kabila. Vous l'accusez entre autres de corruption, de piller le pays, ce sont vos mots, et vous le menacez d'ailleurs de devoir quitter dans la violence le pouvoir s'il n'accepte pas d'organiser l'élection avant fin 2017. Pardon. Vous avez pourtant vous-même contribué aussi à ce pouvoir en tant que membre du PPRD. De quand date finalement cette lucidité que vous dites aujourd'hui avoir sur ce pouvoir? Vous savez, contrairement à Guillaume, moi j'ai trimé. J'ai été aux côtés de Joseph Kabila. J'ai sillonné le monde pour pacifier ce pays. Il n'était pas là. Et je le fais avec bec et ongle. On a pris des avions qui pouvaient tomber. J'aurais pu laisser ma vie. Et j'ai risqué même de mourir, même dans la dernière minute. Moi, j'ai des choses à dire, mais je n'ai jamais volé un seul rond de l'État congolais. Je n'ai jamais été ministre, ni mandataire, ni touché de l'argent. Mais j'ai contribué pour ramener la paix. Lorsque j'ai vu que la tendance qu'on a prise en 2015, c'était de commencer à tuer. C'est là où la tuerie a commencé, quand ils parlent du Kassai. Mais qui tue au Kassai? Le rapport est là. Et j'ai dit, chiche, il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il n'y a que celui qui n'aime pas le Congo et les Congolais qui peut soutenir ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. Moi, j'aime mon pays. J'aime ma population. Et d'ailleurs, même en étant de la majorité, poser la question aux Congolais, j'étais l'avocat des orphelins et de veuves. Je l'ai toujours soutenu contre les gens du pouvoir, contre la corruption, contre tout ce qu'ils ont fait. Mais néanmoins, ce qui est vrai, il faut décrisper la situation. Qu'on libère Franck Diongo, qu'on libère Muyambo, qu'on libère Witt Mulongo. Tant de prisonniers politiques sont aujourd'hui en train de
de mourir en prison tous les jours. Qu'on libère les militaires, qu'on libère les policiers qui fassent bien leur travail. Même les journalistes se sont pris en otage. Mm-hmm. La justice est prise en otage. Il a évoqué la Cour constitutionnelle aujourd'hui. Ils ont pris un arrêt par rapport à l'ancien gouverneur Azembe. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet arrêt? Ils sabotent. On oblige la Cour constitutionnelle à prendre un arrêt avec 5 juges au lieu de 7 minimum. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est la honte. C'est l'arbitraire qui règne en République démocratique du Congo. Il faut les chasser. Il ne faut même pas leur demander de partir. Je crois que le peuple doit se préparer à les chasser. Seule la lutte libère, ce ne sera pas un cadeau puisque nos parents ont eu l'indépendance suite à un combat. Nous devons nous battre. Même à main nue, les Congolais doivent se mettre debout comme un seul homme, les chasser. Donc nous donnons jusqu'au 20 à ceux qui sont encore de la majorité de rejoindre le camp du peuple et les 31, ben, on va bouter ceux qui resteront de l'autre côté dehors. Il n'y a que ça comme choix, il n'y en a pas d'autre puisque actuellement, ils partiront jamais. Merci Francis Kalombo d'avoir participé à ce débat. Merci à vous Maître Guillaume Mangiolo depuis Bruxelles d'avoir apporté la contradiction ici même. Merci à vous d'avoir suivi ce débat. Restez sur France 24, bien sûr, dans un instant, c'est un nouveau journal.